Alors nous sommes aujourd'hui lundi, on est le 19 Iyar et nous sommes Daf Yud Aleph de Rosh Hashanah. Hier on a pas mal avancé dans la page, nous sommes pratiquement au milieu de page. Rabbi Eliezer Omer, Menahem Shebetishri Noldo Avot. Alors c'est à peu près 12 dernières petites lignes, les petites lignes, les 12 à peu près. Exactement. Alors, Rabbi Eliezer Omer, Menahem Shebetishri Noldo Avot. D'où on sait que les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont nés à Tishri, comme il a dit dans la Mishnah. Il dit, c'est marqué dans la Torah, « Sheneema, v'yekahalu el ha-melech Shlomo kol yesh Yisrael b'yer ha-etanim b'har. » C'est après la déconstruction de Beit HaMikdash, c'est marqué, ils se sont rassemblés donc vers le roi Shlomo kol yesh Yisrael. Tous les bénis Israël, b'yer ha-etanim, dans le mois de Etanim. Alors, normalement, Etanim, c'est les hommes forts, les hommes puissants. Behar, pendant la fête. Et alors, qu'est-ce que tu vois ici? Agmaral dit, Yerach shenol debo etaner olam. Puisqu'il y a marqué Yerach ha Etanim, le mois des puissants, donc ça veut dire c'est le mois dans lequel sont nés les puissants. C'est qui les puissants? Ce sont les Avot. Juste avant, il nous dit d'abord, Maï mashma dihai etan neshana de taqifehu. Mais qui a dit que le mot etan, ça veut dire puissant? D'où tu sais que le mot etan, c'est l'ishana de taqifehu, c'est un langage de puissance. Il dit, qui dertiv etan moshavecha. Ça, c'est Bilam qui a dit au béni Israël, etan moshavecha. Ta résidence est puissante. Ben Omer, et le pasuk dit, Shema'u harim et riv Hashem v'ha'etanim amos de Ares. Ça veut dire que pour l'instant, il y a marqué Etan Moshavecha. On parle d'Israël. Et donc, on ne voit pas aussi que c'est marqué le mot Etan, ça veut dire puissant. Il y a, le pasuk dit Shema'u harim et riv Hashem. Écoutez les montagnes, la déclaration d'Hashem, si on veut rire, c'est la dispute. Comme quand Hashem il parle, il discute avec l'Ibn Israël. Et les Etanim qui sont les fondateurs de la terre. Là aussi, on voit que pour l'instant, quand on dit Etan Moshavecha, il y a marqué ta résidence est puissante, mais on ne sait pas d'où tu sais que le mot Etan c'est puissant. Mais avec ce passage-là, on parle des montagnes. On parle des montagnes et on dit Etanim. Etanim c'est comme les montagnes. Comme les montagnes c'est fort, c'est puissant, c'est haut. Donc, Etan, déjà, ça nous montre que c'est puissant. Maintenant, ça ne montre pas que Etanim, ce sont les Avot. Alors, c'est pour ça qu'il rajoute, « Omer, kol dodi henese ba medaler ale harim mekapes ale givaot. » Il dit donc, c'est Rachirim. « Medaler ale harim », ça veut dire quoi? Il saute sur les montagnes et sur les plaines. « Medaler ale harim bishout Avot, mekapes ale givaot bishout imaot. » Donc, on voit bien que les harim ici, ça fait allusion aux avot, et les gevaot, ça fait allusion aux imahot. Les avot, c'est Abraham, Isaac et Yaakov. Les imahot, c'est Sarah, les frères, Rachel, Véléa. Et donc, enfin, maintenant, on arrive à la conclusion que Etan, c'est puissant, et puissant, c'est les avot. Et on a déterminé le mot de Shri. Ben voilà, on a dit Yerah, Shéha, Etanim, dans lesquels sont nés les puissants Abraham, Isaac et Yaakov. Ben voilà, il y a marqué Yerah Etanim. Hag, c'est le prochain. Non, Hag, c'est Sukkot. Et là, on parle, n'oublions pas, on parle ici. Parce qu'on parle ici dans l'inauguration du Beit HaMikdash que Shlomo HaMelech a construit. L'inauguration du Beit HaMikdash a eu lieu à Tishri dans les 7 jours qui précèdent Sukkot. Rav, on n'a pas vu qu'Yitzhak n'était pas né en même temps? Alors, on a dit que Yitzhak était né à Pessah. Voilà. Donc là, quand on parle des Avot, c'est Abraham et Yaakov, certainement. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Rabbi Yehoshua Omer, Minayin Shebe Nissan Noldu Avot. Rabbi Yehoshua, lui, il dit non. Les Avot, ils sont nés à Nissan. D'où il apprend cela? Sheneema. C'est marqué dans la Torah. Vahi Bishmonim Shana Ba'ba Me'ot Shana Lesed Beni Israël Me'es Beslam Ba Shana Had Vi'id Behod Sheziv. Là aussi, on parle en l'an 480 après la sortie des bénis Israël de l'Égypte, la Bashana Hadvirit, la quatrième année, Behodesh Ziv. Hodesh Ziv,
Rachid dit c'est le Chodesh, le mois de Ya. Et alors, là-bas on dit Biyerach Shenol Dobo Zivtane Olam. Puisqu'il y a marqué Chodesh Ziv, le mois de Ziv, et c'est Ya, il dit donc le mois dans lequel sont nés déjà Zivtane Olam, les lumières du monde. Les lumières du monde, ce sont les Avot. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehoshua. D'accord, donc tu vois bien que quand on est à Iyar, ils sont nés déjà les Avot, ils sont donc nés à Nissan juste avant. D'accord, chacun, il a, un il a dit Rahayetanim, les puissants. L'autre, il a dit Hodj Ziv. La même chose, Ziv, c'est les lumières. Alors, il faut que maintenant, chacun, il essaie d'expliquer l'autre passou qui est contre lui. C'est pour ça que moi, il a dit Vedar, Birahayetanim. Alors il dit, et qu'est-ce qu'il fait donc ce Hacham là, Rabbi Yehoshua, qui a dit qu'ils sont nés à Nissan? Qu'est-ce qu'il fait avec le premier passage qui a marqué Yel Ha'etanim, le mois des puissants? Il te répond, il te dit non, Hatam de Taqib et Bemisvot. Quand on marque Yel Ha'etanim, le mois des puissants, ce n'est pas le puissant qu'on parle des Avot. Puissant, c'est Tishri qui est un mois puissant dans les Misvot. Il y a plein de grosses Misvot. Il y a le Shofar de Rosh Hashanah, il y a Kippour, il y a Souka, le Lulav. Il y a plein de choses importantes pendant, d'accord, le mois de Tishri. C'est pour ça qu'il a dit Ha'etanim, ça fait allusion à la puissance du mois qui est fort en mitzvot. Vidar. Alors l'autre maintenant, Rabbi Eliezer, qui a dit que Ha'etanim c'est les Avot. Qu'est-ce qu'il fait avec Chodesh Ziv? Vidar n'a mis actif Chodesh Ziv. Alors il te répond Ha'od et Bezival et Elané. Il te dit non. Le Chodesh Ziv, ça veut dire que c'est là au mois de Iyar qu'il y a les Zivtal et l'année. Ça veut dire qu'il y a Zival et l'année. Les arbres commencent à bourgeonner, à fleurir. C'est là, c'est ça le Ziv. C'est, on va l'appeler ça, c'est Nissan. Et d'ailleurs, il apporte la preuve. Yamad Aviuda, comme il a dit Aviuda, Haïman de Nafar Biyome Nissan. Celui qui sort au mois de Nissan. Bechazé l'année de Mlavlavé. Il voit que les arbres commencent à fleurir. Omer, c'est Berkat Ha'ilanot que nous faisons. Baruch Shelor Hassel Me'olamo, il y a marqué ici Kloum. Ou Barabo Beliot Otobot Ve'ilanot Otobot. Lehit Na'ot, nous on dit Lehit Na'ot Bahem Bene Adam. D'accord? Voilà donc, on parle ici comme quoi les arbres ils fleurissent au mois de Nissan, puisqu'on a la preuve que la bracha Berkat Ha'ilanot on l'a fait au mois de Nissan. Donc il te dit l'autre, Rabbi Eliezer, que Behod Sheziv, ça veut dire donc le mois où les arbres commencent à fleurir. Donc chacun il reste sur sa position. Rabbi Eliezer dit c'est à Tishri et Rabbi Yehoshua dit c'est à Nissan. La Gemara continue. Mande Amad Benissan Noldo Benissan Metu. Mande Amad Betishri Noldo Betishri Metu. Il dit celui qui a dit que les Avot sont nés à Nissan, ils sont aussi morts à Nissan. Et celui qui dit, ils sont nés à Tishri, ils sont morts aussi à Tishri. Pourquoi? Shneimar, comme il est dit dans la Torah à propos de Moshe Rabbeinu, Vayomer alehem ben me'a ve'asrim shana anochi hayom. Moshe Rabbeinu, il a dit au Béni Israël, je suis aujourd'hui âgé de 120 ans. Pourquoi il leur dit aujourd'hui? S'il leur parle, c'est normal que c'est aujourd'hui. Hayom, male oyamai ushnotai. Pourquoi Moshe Rabbeinu l'a précisé aujourd'hui? Parce qu'il voulait dire au Béni Israël, aujourd'hui, je clôture exactement 120 ans. C'est là, l'anniversaire, c'est aujourd'hui. C'est pour ça, il dit Sachamim. Et là, Mitra, Shah Kadosh Baruchu, Yoshev, ou même Alech, Shenotem, Shasadet, même Liom, même Chodesh, Chodesh, Shenem, Alet, Pespalem, Mecha, Amale. De là, donc, Sachamim ont dit que Hashem Yitbarach, il complète les années des Tzadikim de bout en bout. C'est d'aller les tzadikim, ils finissent l'année complètement. Pas ils partent au milieu de l'année. Mais c'est pas des amecha amale. Je complète complètement les jours de ta vie. Comme Moshe Rabbeinu l'a dit, hayom, c'est-à-dire aujourd'hui, je finis mes 120 ans. Donc tous les tzadikim aussi c'est pareil. Et c'est pour ça que celui qui a dit qu'ils sont nés à Nissan, il dit qu'ils sont morts à Nissan pour compléter complètement. Et celui qui dit qu'ils sont nés à Tishri, il dit qu'ils sont morts à Tishri, les avos. Après, dans la Mishnah, on a dit, Pesach nolad Yitzhak. Yitzhak Avinu, il est né au mois de Pesach. Enfin, il est né à Pesach, carrément. Menalan, d'où on sait cela?
Il dit, c'est marqué dans la parasha qui dertive la moed ashuv elecha dans parashat. Et non, Sarah, c'est la mort de ça, au contraire. Eh bien, ça, c'est dans ton. Dans un an, tu vas. Non, non. C'est dans Vayera. Quand Vayera, Abraham Abin, il a reçu le malachim. Après, ils lui ont dit, Karet Hayao Salamin, c'est ça. La moed ashuv elecha. Quand les malachim, le malach, il a dit à Abraham, la moed ashuv elecha, ou Sarah, ven, et Sarah, elle aura un garçon. Alors, le malach a dit, Emat Kai. Quand il dit la moed ashuv elecha, c'est-à-dire moed, on sait que c'est un jour de fête. Quand il dit dans la fête, je reviens vers toi. Alors, moi, je pose une question. Quand est-ce qu'ils sont venus ces gens-là et quand est-ce qu'ils devaient revenir ces gens-là, ces malachim? Alors, il dit comme ça. Si on dit que les malachim, ils sont venus à Pessah, ils ont dit à Abraham, la prochaine fête qui vient, c'est quoi? Shavuot. C'est impossible, une femme ne peut pas accoucher en 50 jours. C'est vrai que le mot Moed dans la Gemara c'est Hana Moed, mais dans la Torah, la Moed, Nachon. Mais ici, on est d'oreille que Moed c'est fait. Moed c'est un moment, le temps. Ils ont dit quand la marque du soleil revient. Ils ont parlé de ça, les malachim. Oui, mais il y a aussi marqué la Moed. Dans cet endroit-là, on reviendra. Il y a aussi marqué la Moed. La Moed, on est d'oreille, c'est la fête. Alors il dit donc, on est aussi qu'on est. S'ils sont un peu ça, ils disent Shavuot, c'est pas possible. Elle a dit, tu vas me dire, non, ils étaient là-bas à Shavuot, ils ont dit, la prochaine fête, c'est Sukkot. Là aussi, Sivan, jusqu'à Tammuz, Av, Elul, Tishri, 4 mois. Est-ce qu'une femme, elle peut accoucher en 5 mois? C'est pas possible. Elle a dit, on va dire qu'ils étaient venus à Tishri. Ils ont dit, la prochaine fête, c'est en Nissan, 6 mois. C'est plausible. Oui? La Gemara dit, est-ce qu'en 6 mois on peut accoucher? Alors il lui dit, Tana ou Tashana me obéit taïta. Il dit, il y avait Adar me Odar, ça fait 7 mois. C'est vrai, c'est pas, ça marche. C'était Adar me Odar, ça obéit. La Gemara dit, on peut pas savoir, on peut compter si on veut, mais on peut pas le savoir maintenant. Sauf, la Gemara dit très bien, admettons qu'il y avait 7 mois. Qui me démode, il me tombe, bah c'est nous. Et il faut enlever quand même les jours d'impureté. Puisque nous, on sait que dans le jour où les malachim sont venus, quand Abraham il a dit à Sarah, nous aussi, va assis en route, fais leur du pain. Et à la fin, on a vu qu'Abraham Abin, il leur a donné bakar, halav, il leur a pas donné du pain. Rachid a dit, pourquoi il n'a pas donné du pain? Chez Sarah, personne n'est dedans. Sarah, elle a retrouvé ses règles. Et quand elle a retrouvé ses règles, elle est tmea. Donc si elle est tmea, il faut rajouter encore 10-15 jours pour retrouver sa pureté. Donc ça fait 6 mois et demi. Et c'est pas possible. Pourtant, elle a fait des matzot. Non. Ça, c'est Lot. Sauf, sauf qu'il m'a demandé, il m'a dit, Thomas Abbas, elle est où? Pardon? Non, il a dit, fais pétrir du pain. Fais, l'eau, j'y vais assez en route. Elle a pu le faire, mais il n'aura pas donné. Parce que c'est Tamé, elle qui a mangé. Donc, du coup, elle est impure. Donc, si elle est impure, il faut compter les jours de purification. Alors, Amal Mosout, là, donc finalement, il a dit Mosout, Afelou, les mains d'Aman, et le dit de China, le dit de Mkotain, Yolé de Tishiva, Yolé de Mkotain. Eh bien, Mosout, il dit, même si nous savons qu'une femme qui accouche à 9 mois, elle n'accouche pas les Mkotain. C'est-à-dire, c'est pas des mois, coupés. Il faut 9 mois pleins. Mais quand même, il dit, ça veut dire que à l'époque, si quand une femme accouche à 9 mois, elle ferme complètement ses 9 mois. Sinon, l'enfant n'est pas viable. Mais il a dit quand même, si elle accouche à 7 mois, il se peut une contagne. Elle peut le faire pas 7 mois plein. Ça arrive. Donc, il se peut que... D'accord? Il se peut que Sarah, elle a donc accouché... à Nissan. Ils sont venus à Tishri et ils lui ont dit à Nissan, puisqu'il y a 6 mois plus 1, ça fait 7 mois. Bon, il lui a dit, enlève-les quand même les jours de Thomas, il reste 6 mois et demi. Et bien, 6 mois et demi, à mort aux autres. À mort aux autres, il a dit, on peut accoucher en 6 mois et demi, c'est pas grave.
C'est que même si les 9 mois doivent être pleins, les 7 mois peuvent ne pas être pleins. Et donc, c'est faisable. Chenema, d'où il apprend cela? Vahi le trofot ayamim. À propos de Hana, dans mon avis là-bas, Navi Shmuel, c'est marqué. Vahi le trofot ayamim. Et le Hachamim explique c'est quoi trofot ayamim? Meot te trofot, shetaim, ou meot yamim, shenaim. Nous savons que la trofa, c'est 3 mois. Donc 2 fois 3 mois, c'est 6 mois. Et meot yamim, shenaim, c'est minimum 2. Donc 6 mois et 2 jours. Hana a accouché. Donc là aussi, pour ça, on peut dire la même chose. Après, la Gemara nous dit, Belosh Hashana Nefkeda Sarah, Rachel Vehana. À Rosh Hashana, Nefkeda, donc Hashem il s'est souvenu de Sarah, Rachel et Léa pour leur donner des enfants. Sarah, Rachel et Hana. Mais dans l'Hindou, on sait cela. Amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar, Atia Pirida Pirida, Atia Zichela Zichela, on fait Xira Shava. Kiti Belahel, Baizkot El Humitrahel. Ukti Behana, Baizkireha Hashem. D'abord, il y a marqué dans Rahel, Baizko. Hashem s'est souvenu de Rahel. Il y a marqué dans Hana aussi, Baizkira, donc il s'est souvenu aussi. Beatia Zichela Zichela, Medosh Hashanah, Tati Vesapa, donc Zichlon Tedora. Et comme on avait dans Rosh Hashanah, c'est marqué Zichlon Tedora. Alors on a appris de là que Rachel et Hana, toutes les deux, elles ont été souvenues à Rosh Hashanah. Maintenant, Pirida, Pirida, Ketiv, Behana, Kifakad, Hashem et Hana, Urtiv, Besana, Hashem, Pakad et Sarah. Et donc, après on fixe Rachava de Hana vers Sarah. Comme Hana, on sait qu'elle a accouché à Rosh Hashanah, qui est marqué là-bas, Kifakad, Hashem et Hana. Et nous savons que dans Sarah aussi, il y a marqué le mot Hashem, Pakad et Sarah. Donc, du coup, on apprend de là que Sarah aussi, elle a été souvenue par Hashem. Donc, à Rosh Hashanah. Continuons les deux dernières lignes. Rosh Hashanah, Yassa Yosef, Mebet HaAsurid. On dit qu'à Rosh Hashanah, Yosef, il est sorti de prison. Quand il a été donc jeté dans le bord par Potiphar. Et à l'occasion des rêves de Paro, on a fait donc sortir Yosef de là-bas. C'est marqué, Yosef est sorti de Rosh Hashanah. Mais Nala, la Gemara dit d'où on sait cela. Dirtiv, c'est marqué dans la Torah. Tikou bahod de Shofar, pakes el yom hagen, ki hok li Yisrael hu v'romer. Je prête le Yaakov, ça c'est la suite. Alors c'est marqué dans la Torah, Tikou bahod de Shofar. Donc vous sonnez le Shofar. Quand ça? On a dit déjà que c'est le mois où il est, la lune elle est couverte, c'est-à-dire donc le début du mois où on ne voit pas encore la lune. C'est Tishri. Pourquoi? Israël. Parce qu'Hachem il juge les bénis Israël ce mois-là. Donc premier Tishri, Hachem il juge les bénis Israël. Et... Excusez-moi, je finis ça et je te prends. Aïdout, b'obsef samo, mais c'est ton beau-mère. Et là, donc la suite, le passage qui dit donc Yosef, c'est Yosef. Hachamim disent, Aïdot Yosef Samo. Vous vous rappelez le drachat que Hachamim ont dit, pourquoi on appelle Yehosef? On dit que le soir, avant que Paro ne. Enfin, le soir où Paro il a fait ses raves, donc le lendemain, il a convoqué Yosef. On dit que quand Yosef, après, il a interprété les raves de Paro, il voulait le nommer chef. Alors ces officiers lui ont dit, attends, nous on a dans les règlements de l'Égypte qu'on ne peut nommer un roi que quand quelqu'un connaît les 70 langues. Alors on dit qu'il est venu à Malach dans la nuit, il a commencé à enseigner à Yosef, le chinois, l'anglais, l'allemand, tout ça. Le problème c'est un humain, Yosef il apprend, même s'il est haram, il apprend une langue française, après il apprend l'anglais, après il oublie le français, il apprend le chinois, et c'est pas possible en une nuit. On dit que Hachem lui a rajouté un Hé, la lettre Hé dans son nom, lettre d'Hachem, et tout ce qu'il a enseigné après, il captait. Et donc le lendemain matin, il s'est levé Yosef, il est venu devant Paro, et à chaque fois on dit que Paro il avait un trône après 70 marches, et quand Paro il lui parle une langue, Yosef il se met à hauteur, et une autre langue, Yosef il monte, et la drasha continue que finalement, quand il est arrivé à la même hauteur, Yosef il a commencé à dire Shalom Aleichem, comment tu vas, l'autre il n'a rien compris. Alors évidemment, Paro, il a fait jurer de ne pas dévoiler aux gens que lui, Yosef, connaît une langue supplémentaire par rapport à Paro. Bon. Quoi qu'il en soit, ici on a appris que finalement, Yosef, il est sorti à Rosh Hashanah,
par la suite du pasouk. Oui. Non, je disais, c'est tout le début de moi qu'il n'y a pas de lune, c'est normal. Non, la fête, quand est-ce qu'on a une fête dans laquelle il n'y a pas de lune, c'est quand Rosh Hashanah. Et oui, parce que les autres, c'est 15 Nissan, c'est Pesach, 15 Tishri, c'est Sukkot, et Shavuot, c'est le 6. Donc le 6, il y a déjà la lune, on la voit déjà. Après, la Gemara dit, Rosh Hashanah bat la avoda me avodenu b'Misraïm. On avait dit aussi que à Rosh Hashanah, les bénis Israël ont arrêté de travailler, d'être esclaves en Égypte. Là aussi, comment on apprend cela? Il dit Ketivacha ve'osete yitchem metachat sivlot Misraim, uchtivatam ha'sirot mesevel shechmo. Alors, étant donné, c'est marqué ve'osete yitchem metachat sivlot Misraim. Ça, évidemment, on parle des bénis Israël. Car Shem leur a dit, je vous fais sortir de l'esclavage de l'Égypte. Il y a marqué là-bas Sivlot Misraim. Et comme chez Yosef, la suite du pasouk là-bas, Adot Beyosef, c'est pas le pasouk qui continue. Hasirot et Mesevel Shechmo. Donc on a dit le pasouk à propos de Yosef, Hashem il a enlevé le fardeau sur son épaule. Il y a marqué Sevel, il y a marqué Sivlot, là encore que Zerah Shavah, comme Yosef est sorti à Rosh Hashanah. Donc les bénis Israël, ils ont arrêté de travailler en Égypte pendant Rosh Hashanah. Benissan nenir alo kid eta. À Nissan, ils ont été libérés, ça on le sait, c'est marqué dans la Torah clairement. Maintenant, Betishrei atidin yigael, selon Rabbi Eliezer qui a dit, Benissan nenir alo, ils ont été libérés à Nissan, mais la future libération, Be'ezrat Hashem b'mehara b'yameinu, ce sera à Tishri. Comment il apprend ça? Non, ça on le sait. Maintenant, d'où tu sais que Bétishri a été donné à Gaël? Il te dit voilà, c'est marqué dans Tishri, oui, c'est connu ça, c'est le mouvement de Tishri, de Rosh Hashanah, dans la menace à l'église, c'est donc à Rosh Hashanah, il faut sonner le Shofar. Et à propos du Mashiach, d'accord, la future libération, c'est marqué, ce jour-là, on sonnera le grand shofar. Donc il y a le shofar à Rosh Hashanah, il y a le shofar le jour de la libération future, donc automatiquement, on fait le lien. Ça, c'est selon Rabbi Eliezer. On ne sonne pas qu'à Rosh Hashanah, le shofar. La mitzvah de sonner. La mitzvah de sonner le shofar, c'est à Rosh Hashanah. Qui nous dit qu'on parle de la mitzvah du shofar? C'est marqué, c'est quoi, Bahod de Shofar? On a parlé de que c'est la mitzvah de son Shofar, comme Rosh Hashanah? Si, dans la troisième enquête. La société libre qui dit, c'est quoi, Bahod de Shofar, c'est le Mahagin. Dans la Torah, c'est marqué, le Bahod Charishon, vous allez sonner le Shofar, c'est une mitzvah. Vous traitez Bahod Sosrot, etc. Mais le Tehillim dit, c'est quoi, Bahod de Shofar, c'est le Mahagin. Donc en parlant de Rosh Hashanah, alors c'est quoi, Bahod de Shofar, c'est Rosh Hashanah. Alors, évidemment, après, quand il y a un shofar encore dans la future libération, alors on fait la Gzera Shava. Rabbi Yehoshua, Amer, il vient Rabbi Yehoshua, lui, il dit, Benissan nir'alo, Benissan atidene Gael. Rabbi Yehoshua, il dit, à Nissan, ils ont été libérés, et à Nissan, ils seront libérés, la future libération. Mais là, d'où on apprend cela? Amalkla, l'el shimurim. C'est marqué dans la Torah, l'île Shemorim, ou la Shem, l'Hoseam, et Es Mislaim. D'accord? Une nuit de garde, de protection. Qu'est-ce que ça veut dire? L'île Hameshumad, ou bah, Meshé, j'étais mébénéchit. D'accord? Il dit que, lui, te dit comme ça, pourquoi Nissan, ils vont être libérés? Parce que, comme c'est marqué, l'île Shemorim, une nuit de garde, de protection, eh bien, c'est-à-dire, lui, il a dit, Meshumad, ou bah, depuis la création du monde, cette nuit-là, elle est réservée pour la libération. Donc, comme on a été libéré à Nissan, eh ben la future libération, c'est ça, à Nissan. C'est une nuit spéciale. Cette nuit-là, c'est particulier. Ça veut dire Tishri, change. Bah, c'est Rabbi Yehoshua, ça. Rabbi Eliezer, il a dit Tishri. Rabbi Yehoshua, il a dit à Nissan. Alors, la Gemara dit, alors, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Eliezer avec ce pasouk? Comme on a marqué, il est chez Morim. Une nuit de protection et de garde. Donc, c'est une nuit. Donc, nous, on a gardé pour la future libération. Alors lui, il a dit que la libération future sera à Tishri. Comment il fait avec? Il te dit non. Là, il a mis Shumad, ou pas, mais la Mazikin.
Lui, Rabbi Eliezer te dit, mais Shemorim, c'est pas Shemorim, Hachem il a gardé ça pour la libération. Non. Shemorim, Meshumad Mena Mazirim. La nuit de Pessah, on dit que c'est une nuit de protection contre les Mazirim. C'est pour ça, donc, certaines communautés, ils ouvrent la porte de la maison ce soir-là, pendant la lecture des Seder, parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de Mazirim, donc ils ont peur de personne. C'est pour le Mashiach ? Pardon ? Non, on n'ouvre pas pour le Mashiach. Le soir de Nissan, pour dire, pour montrer qu'on est protégé ce soir-là. Ah, c'est pour ça qu'on ouvre. Mais Asdou dit. Donc, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, qui ont donc donné chacun son avis, un il pense que c'est à Tishri, l'autre il pense que c'est à Nissan. Mais Asdou les Tamayou, ils ont la même mahloket ailleurs. Non, oui, là aussi, aussi. Mais là, il nous donne la mahloket suivante. Netanya, la Breta enseigne, c'est marqué, Bishnat Chesh Me'ot Shana Lehaye Noah, Bahodesh Hashini, Bishwa Asad Yom Lahodesh. Le pasuk dit là-bas, la Torah parle là-bas du début du déluge. Quand est-ce qu'il a commencé le déluge à la de Noah? C'est marqué en l'an 600 de la vie de Noah. C'est marqué comme ça, le deuxième mois, le 17e jour du mois. Alors, deuxième mois, c'est quoi deuxième mois? Alors, selon Rabbi Eliezer, deux secondes, pour résumer, après on va voir l'explication d'Agma. Selon Rabbi Eliezer, c'est le 17 Heshvan, deuxième mois, donc Tishri Heshvan. C'est le Rabbi Yehoshua, puisque la création du monde, c'est Nissan. C'est le 17 Iyar. Pas sûr. Alors maintenant, tous les deux, ils vont expliquer comment ça s'est passé. Alors avant cela, on va donner donc une petite notion à propos de, donc, de l'astrologie. Il dit ici, on sait que il y a 12 astres, en fait. C'est des étoiles qui, donc... avec le soleil, ça tourne une 24 heures. Il y a 12 astres. Rachid les a amenés. Hein, moi, je ne connais pas par cœur. Alors, je vous les cite en français directement, comme ça, moi, vous êtes tranquille. Ah, ben, la photo, regarde la photo. Non, je les ai ici. Alors, deux secondes. Là, là, le voilà, le voilà, le voilà. Alors, il y a 12 astres dans l'ordre. Écoutez bien. Il y a donc Thalès, c'est le bélier. Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Verseau, Capricorne, Verseau et Poisson. Il y a donc 12 astres. Les 12 astres sont disposés en forme de cercle. Ce qui fait que chaque astre, il monte, enfin, il parcourt une distance. D'accord ? Et par rapport au méridien, par rapport au son, à la ligne horizontale du monde. Donc les astres, ils font ça. Et en une journée, chaque astre parcourt 24 heures. Enfin, il fait un tour, quoi. Et donc, quand on a, comme ils sont, il y en a 6 au-dessus, 6 en bas. Quand il y en a un qui monte 2 heures, celui qui est là-bas, il descend 2 heures. Et en fonction, comme ça, on fait un tour. Ça en une journée. 24 heures. C'est ce que dit Rashi. Il dit... pardon. C'est ce qu'il dit, regardez. Donc chaque astre, quand il commence, d'accord, l'autre en face, le septième, il descend. Et on fait un tour. D'accord. C'est ce que, donc ça c'est un petit peu, on va dire un peu très schématiquement, comment ça marche. Alors, maintenant, il y a aussi une autre notion à savoir. C'est que parce que là, il va nous parler de Mazal Kima. Kima, ce n'est pas un astre. C'est quoi Kima? Il dit, Rashi, il nous explique que Kima, c'est une... Huznav Tale. Voilà, c'est la queue de Tale. Tale, c'est le premier, c'est le... Bélier. Le bélier. C'est la queue du bélier. En fait, l'astre, le bélier, il a une queue qui s'appelle Kima. Donc, ça fait partie de lui-même. Et dans cela, alors, on va expliquer comment s'est passé le Maboul, et la Gemara va nous le dire maintenant. Ouais, ce sont des astres, des étoiles. Alors, donc, on reprend maintenant la Mahloket. Rabbi Yehoshua, dans les 8 dernières lignes, regardez ça. Rabbi Yehoshua, Amen, Oto Ayom, Yaz Be'yar Haya.
Ce jour-là, c'était le 17 Iyar, puisque selon lui, Rabbi Yehoshua, c'est Nissan le début de l'année, donc 17 Iyar. Comment ça se passe? Il dit, « Mazal kima shokhea bayom » que à Nissan, le 17 Iyar, le bélier shokhea, il descend dans la journée, à Iyar. « O marianot met martin » comme le bélier il descend, du coup, en hier, on est en été. Il y a moins de, il y a pas d'eau. Mais les sources d'eau du Olam, elles diminuent. Donc il y a pas, il pleut pas maintenant. C'est ça, d'accord? Alors il dit, et comme les gens du Maboul, ils ont modifié leur comportement et se sont conduits avec beaucoup de perversion par rapport à la normale. Hashem shina kadosh baruch hu alayhim ma'aseh v'deshit. Hachem a aussi changé le cours de du déroulement du Olam du monde. Et qu'est-ce qu'il avait Hachem? Ve'ayla mazal kima bayom. Au lieu que le mazal kima il descend sur Qiyah, il l'a fait monter. Et du coup, ve'natash nekor ve'mim kima ve'm abola olam. Et après, Hachem a pris deux étoiles de cet astre-là. Et il a fait pleuvoir le Mabou, le déluge. Donc ça correspond à la punition des gens donc de la génération du déluge. Comme eux, ils se sont mal comportés, ils ont changé la façon de se conduire d'un humain en animal. Alors Hachem, il a aussi changé par rapport à eux le déroulement des astres. Et au lieu que Kima, qui normalement il se trouve en haut, normalement il se trouve en bas, il n'y a pas d'eau. Hachem, il a fait lever en haut et il a fait descendre donc de l'eau. Oui, selon Rabbi Yehoshua, ça c'est Rabbi Yehoshua. Maintenant, Rabbi Eliezer Omer. Donc, les deux dernières lignes. Rabbi Eliezer dit, Oto ayom, yaz bimal hashvan haya. C'était le 17 hashvan. Comment? Il dit, Yom shemazal kima ole bayom, oma enot met gabarim. A hashvan, le bélier, lui, il monte dans la journée, et les ma enot met gabarim. Évidemment, les sources d'eau sont ouvertes à hashvan, c'est là où il pleut. D'accord? Alors, ometor shishenu ma'asehim. Et comme les gens du déluge, la génération du Maboul, ils ont là aussi donc perverti leur conduite. Hachem il a changé pour eux aussi le cours, le déroulement donc du monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait monter le mazal kima le jour, alors que normalement. Hachman. Justement. Hachman, c'est le signe du cancer. Oui, mais les signes, chaque signe, dans une journée, il prend une petite place. Ça bouge. Les astres, ils bougent 24 heures. Chacun, il prend 2 heures de dominance, si vous voulez. D'accord. Et donc... Oh, il parle de Kima, puisqu'on est à Hachvan. Même à Hachvan. Tout le monde est puissant. Hachvan, il y a le scorpion qui est dominant. Et les autres astres, ils sont à côté. Ouais. Mais dans des positions différentes. Non. C'est pour ça qu'il dit, c'est lui qui monte le jour. C'est lui qui domine. Les autres, ils sont derrière. C'est vrai qu'il dit, c'est Mazal Kima Bayom. Normalement, Mazal Kima Bayom... C'est ça qu'il a fait lever le jour. Pour qu'il pleuve, pour que l'eau monte. Kima, quel rapport avec le bélier? Il faisait nuit. Kima, c'est la queue du bélier. Kima, c'est la queue du bélier. C'est la queue du bélier. Et le bélier, il y est aussi, hein? C'est pas la période du bélier. Non, tous les jours, il y a le bélier. C'est pas la période du bélier. Mais le bélier, il y est tous les jours, comme il a dit. On a dit tout à l'heure, chaque astre, il marche 2 heures dans la journée. Voilà. Mais il n'est pas influent. Très bien. Très bien. Mais 2 heures, il a sa place dans laquelle où il peut dominer. Chacun, il a 2 heures, mais par rapport à la disposition au soleil, c'est là où ils ont la dominante. Alors, quoi qu'il en soit, écoutez bien. Benatash Nekor Avim Hashem, il a pris 2 étoiles de cet astre-là et Vim Abou Laolam. La question qui se pose, la Gemara va la poser de suite. Il a dit, Bishaman Rabbi Yehoshua Nedir Tifshini. La Gemara dit, selon Rabbi Yehoshua qui dit que le Olam a été créé à Nissan. Et donc on dit ici, Bachot Shashini, hier c'est le deuxième mois, ça marche très bien. Mais, elle est Rabbi Eliezer, Maïcheni. Mais selon Rabbi Eliezer, pourquoi la Torah elle dit Sheni? Puisque. Puisque. Selon Rabbi Eliezer, c'est à Heshvan que le Maboul il a commencé. Alors si c'est à Heshvan. On n'est pas par rapport à Nissan, on n'est pas au deuxième, on est au huitième mois.
Oui, mais comme le mazel kima, bayom, c'est à Pessah, c'est pas à Heshvan. C'est pour ça qu'il est obligé de dire que ça, là, on se réfère par rapport à Nissan. Alors c'est pour ça qu'il lui dit, il te répond, Bahot Sacheni, Sheni Eladin. C'est-à-dire par rapport au mois de la du jugement qui est Tishri, on est à Heshvan deuxième mois. C'est, on ne se réfère pas au départ des astres, donc au mois de Nissan. Mais Kima, c'est Rabbi Yoshua qui parle de toute façon. Non, tout le monde parle de Kima, il existe pour tout le monde, c'est pas que les besoins. Kima, c'est un astre. C'est où la source de Kima? C'est un astre, c'est quoi? Non, c'est les astres. Ça fait partie des astres. D'où on sait que c'est Kima? Enfin, comment on peut parler de Kima? C'est quoi la source? Moi, je sais pas, mais je sais que Rashi l'a expliqué, et la Gemara aussi, elle explique que comme Kima, c'est la queue du talet du bélier, qui est de l'astrologie. D'où ça vient? Ben, il voit par... Hachamim, il voit, il parle là. Non, on peut voir par les trucs, là, les matériaux. Enfin, je finis. Bezamana bezoine disna bezamachina. Agma dit maintenant, selon Rabbi Yoshua, c'est la question la plus importante. Agma dit, regardez, on a vu dans Rabbi Yoshua, il a dit, normalement, Mazel Kima, il descend. Alors Hashem qu'il a fait, il a changé, il a monté. D'accord? Ça c'est Ayar, c'est très bien. Mais Rabbi Lazar, il a dit, normalement, le Mazel Kima, il monte, il a monté. Mais s'il monte, il a monté, il n'a rien changé, puisque. Le mazal de Bélier à Nissan, il descend. À Heshvan, il monte. Mais comment tu dis alors qu'il a changé? Qu'est-ce qu'il a changé? Il n'a rien changé, Hachem. Puisque c'est sa façon de faire. Alors c'est pour ça qu'il répond, il dit, il a la base de machine, qu'est-ce qu'il a dit? Il répond comme Hazda. Qu'est-ce qu'il a dit, Hazda? Il dit, Amar Hazda, Bédotin, Kelkalobotin, Nidonu. Il dit, parce que Rav Hazel a dit, les gens du Maboul du Déj, ils ont fauté par de l'eau chaude. Alors, ils ont été punis par de l'eau chaude. C'est ça le changement. Au lieu d'avoir une pluie normale, la chimie leur avait tombé une pluie bouillante. Alors, c'est comme par les relations interdites. D'accord? Ça, c'est Hachem qui a apporté un déluge qui est chaud. La pluie était chaude. D'où il a pensé que c'était chaud? Il dit que c'est marqué Choku, c'est refroidir. À propos de Hachverosh, la colère elle s'est refroidie. Donc la même chose ici, on parle de refroidissement. On termine Tano Rabanan. Ça on verra plus en détail plus loin. Les Harmi Israël contre le Maboul comme Rabbi Eliezer, c'est-à-dire 17 Hachvan. Par contre, la Tekoufa, elle, on compte comme Rabbi Yoshua, on part de Nissan. On va parler des Tekoufot après. Les périodes solaires. C'est les quatre saisons. Les sages des Goyim, eux, ils comptent même pour le Maboul comme Rabbi Yoshua. Parenthèse.